Amiro Schleidi. Moi, je respecte son engagement, son amour des animaux. Après, je connais pas grand-chose en comportement animalier. Simplement, effectivement, moi, je trouve qu'elle a pas eu un mot pour parler de la petite fillette qui a été défigurée. Elle a dit qu'il fallait pas que les gamins se retrouvent avec des animaux dangereux. Ouais, c'est pire que tout. Accusé, voilà, celui-là n'est pas dangereux. En fait, il a été mal compris. Parents et gamines. Voilà. Donc bon, je pense en plus que c'est pas le premier animal euthanasié, c'est pas le premier incident. Hein. Il y en a régulièrement, souvent pendant les vacances. Et moi, je peux pas m'empêcher de penser que c'est pas désintéressé d'un point de vue électoral, qu'il y a les élections qui approchent et que elle veut faire. Oh bon, je pense que elle avait fait le coup aux dernières élections présidentielles. On l'a assez proche du Front National. Bon, voilà, je pense que c'est. Enfin, c'est faire le pont entre le chien et le Front National, c'est quand même. Ah pas mais c'est Brigitte Bardot qui le fait malheureusement. Vous avez beaucoup d'électeurs qui ont des animaux domestiques et qui voilà sont proches des idées du Front National et voilà moi je vous dis enfin c'est pas la... non mais c'est non peut-être non, mais effectivement on peut avoir un chinchilla enfin je veux dire un bull terrier et être à gauche ah non mais aussi mais...